Et salut à vous tous les amis, les joueurs, les abonnés, bonjour à vous membres de la chaîne de la communauté Google Plus French, sur pas YouTube, parce qu'on t'aille vous. C'est LT le fou de la vitesse et de la cachette plus connue sous le nom d'LT Giga. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Wipeout HD Fury. Donc on commence tout de suite par un mode Eliminator. Ah déjà ça commence bien, je me fais désinguer, je perds quasiment la moitié de tous mes PV. J'ai un petit peu de chance le flux de récupérateur d'énergie est très efficace sur ce tracé. Pour l'instant je suis 4e avec 65 points. Le premier est en tête à 92 points. Ça a l'air assez serré. Je fais pas un début trop catastrophique. Voilà, un point de plus, voilà, je récupère la 3ème place. 2 points de plus encore, je suis à 20. Là, donc je suis maintenant à 15 points. J'aurai le bonus pour avoir franchi une carrière. J'étais un peu trop sûr de moi, ouais, j'ai quand même fait 3 points. Ouais, là, ouais, c'est juste pour marquer les points, parce que là il y a PV, vous pouvez constater, j'en ai pas beaucoup à récupérer. Je suis déjà à 84 points, oula, 157, ben là il va y avoir un gros carnage. J'ai une centaine de points. Le retard, il faudrait quand même que. C'est comme. Je viens de vous le dire, c'est très très serré. Là, je viens de perdre la deuxième place provisoire. Il faut marquer 600 points, c'est assez long. Alors, donc, j'ai mis un peu sur Google Plus comme quoi. Je ferai une nouvelle programmation pour ma part. Et donc, je tiens à m'excuser donc pour ces trucs de lien à la vite. J'ai pas. Tout simplement à cause du fait que c'est moi qui gérais tout, enfin qui devait tout gérer, pardon. Ça m'a un petit peu mis la pression et donc voilà. J'ai pris beaucoup trop de risques. Mais déjà,
top. Déjà, il n'y a qu'un seul participant qui a répondu à l'appel sur Grand Tourisme aussi. Donc, je pense que je ne diffuserai pas du tout mon championnat TCR que j'ai prévu. Ouais, sinon, je maintiens toujours Wipeout HD, Omnifort Pilmas Wanted et Minecraft. Après, je pourrais très bien passer la playlist, la live de TGiga au moins sur PS3. C'est peut-être à tenter. Hein, vous me direz, si le Revol est d'accord, je vais discuter avec lui. Et si vous êtes d'accord sur ça, ben, vous le mettez en commentaire. Simplement parce que j'ai pas Minecraft PE, enfin, j'ai plus, du moins, Minecraft PE. Enfin si, je peux encore utiliser la version que j'ai, mais j'ai pas la version stable. Tout simplement parce qu'elle n'est pas compatible. La tablette. Alors sinon, bah, les jeux GameCube, en termes de rétro gaming, je vais pas m'attarder sur ça. Pour ces 15 prochains jeux, sur ces 2-3 semaines qui vont suivre, je vais plus me concentrer sur les jeux PSX. Pour voir si ça cartonne. En même temps, mon record quand même, c'est personnel, hein, je dis bien personnel, c'était avant que je sois membre de la French Open YouTubers. Ben, ça a plus de 500 vues. Et parmi eux, il y a un jeu PSX, non, parce que je dis ça, j'en ai deux. À 500, à plus de 500, j'en ai une émulée pour Game Boy Advance et une autre pour PSX. C'est l'heure de mes tous les vues sur YouTube et c'est, en y repensant, c'est ce qui m'a donné envie du coup à refaire du rétro gaming, surtout sur les jeux de course. Et vu que ça continue encore à être vu, ben je me suis dit autant que je m'y remette. Parce que ouais, je me suis dit 400, bon peut-être ça va s'arrêter. Et quand j'ai vu 500, je me suis dit ouais, c'est peut-être à réfléchir. À voir. Donc là pour l'instant j'ai pas pris la tête de la course, au bout de 9 tours. Je veux dire, sur le choix des armes, c'est un peu inégalitaire parce que une arme que j'ai pas eu de toute la partie. Ah voilà, c'est réglé, je viens de prendre la tête. Il m'a fallu 9 tours, mais je l'ai fait quand même, voilà. Il a fallu que je dise ça pour que je le fasse. Je sais pas combien de manches je vais faire, mais facile, comme dans Split Second, 3 en moyenne, avec cette arme-là. Bon, disons, ouais. Donc ma moyenne par course c'est 3. Donc ouais, je reviens donc concernant ouais, donc cette nouvelle programmation. Alors donc concernant donc tout Gran Turismo 6, c'est bien le championnat Formula V8, je peux pas vous l'assurer. Donc tout simplement pour pas prendre de risque, ben, je le diffuserai pas non plus. Ben, tout simplement parce que c'est dans un autre club et malheureusement, comment vous dire, eh ben on n'est vraiment pas nombreux. Sur les 75 membres, on n'est que 3. Ou avoir dit oui. Et tu vois, certains d'y participer une fois sur année, donc
plutôt assez décourageant, surtout pour un gros club de Grand Tourisme 6 comme celui où je suis membre, parce qu'après mon club à moi, mais ça c'est différent, complètement différent. Ouais, c'est vraiment ouvert à tout le monde, un peu de tout, voilà. C'est varié toche. Voilà. Pour en revenir, donc du coup, que la piste est prise pareil, ben, du coup, ça sert vraiment à rien que je fasse sur Grand Tourisme 6, que je vous ferai, ben, tout simplement. C'est simple, soit je fais sur Grid Autosport, ou alors bah, tout simplement je mets que l'épisode de Golden Adventures dédié au Wilfried Paré. Sachant que Austin ça n'a pas marché avec Grid Autosport, je pense que pareil ça marchera moins bien. Donc voilà, je préfère être prudent. Je peux faire peut-être un petit truc sympa, je sais pas trop, je verrai. Enfin, tout ça pour dire que on va prendre un petit peu les choses de mon côté aux mains, en main. Et on verra après pour la suite. Là, il faut dire que là. Si le Hambol n'avait pas clamsé sa tablette, j'aurais pas pris toutes ses décisions. Mais en réfléchissant aussi, je pense que le Touring Car ça aurait pas marché. Quand je fais une course de Touring Car, je ramasse à chaque fois du dislike, alors c'est pour faire des courses de terrain car comme ça, c'est vraiment pas la peine. Donc là cette fois je me mets donc à la place du viewer, du viewer atypique comment j'ai l'habitude d'entendre. Le touring car ça me fait chier, moi je préfère la monoplace. Et ben écoutez, on va voir ce qu'on peut faire sur Grid Autosport, si on peut lancer la série d'IndyCar ou non. Okay.
ensuite, comment ça se passera. Alors donc après, concernant les petites nouveautés, bon ça, on vous le dira au moment venu, parce que pour l'instant, on n'en sait rien. Tout ce que je sais, c'est que là, on va attendre des nouveaux jeux PS3 pour son avis, enfin au moins un. Après peut-être deux, mais au moins un sûr et certain. Donc après, je vous garantis pas les noms. Ouais, c'est ce que j'ai. Ouais, excusez, donc là j'utilise une interface, un petit truc d'interface écran différent. Qui n'est pas pour le mode éliminatoire, que pour le mode contre la montre ou course, voilà, des trucs comme ça, mais tout ce qui est éliminatoire ou truc de zone, ça y est pas. Donc voilà, autant que je préfère vous le dire tout de suite. Vous l'aurez remarqué quand même. Ah oui, je vous disais, tout simplement concernant ce type de nouveauté, ben vous le serez très très vite. Au moment venu. Là, ça concerne donc quelque chose que je fais d'habitude sur WRC3 qui marche plutôt bien dans mon intérêt personnel. Ça amène plutôt des abonnés. Voilà, deux nouveaux viewers intéressés. Ben, tout simplement, ce que je fais en gros depuis que j'ai commencé sur YouTube, depuis que j'ai WRC3, je fais tout simplement le rallye d'Argentine. C'est mon rallye préféré du championnat du monde WRC. Et donc voilà, sur WRC3, je faisais un rallye, dont un avec un abonné, puis celui de l'année dernière je l'ai fait tout seul. Et donc il se pourrait bien que je le fasse tout seul cette année. À confirmer, bien sûr, ce n'est qu'une rumeur. Alors, on est à 18 minutes de vidéo, alors qu'est-ce que je vais pouvoir vous faire d'autre? Non. Donc, pas d'éliminateur, je vais en faire un. Donc, vous faire un zone, faire un mode zone. Voilà. Bon, on va aller avec le même, allez, pas grave. Et j'allais en venir. Bien sûr, sur les jeux de rallye, concernant le rallye cross, je vous ai mis la vidéo où je testais une voiture avec des paramètres pour du rallycross au Grand Tourisme 6, oui, peut-être sur Dirt. Apparemment,
moi, il serait plus parti sur sur des darts de collision et des darts plutôt que sur autre chose. En même temps, je respecte le choix du viewer. Hein. Si sur Grand Tourisme aussi, vous préférez les drag race, ou que vous préférez, je sais pas, à la limite, voir la Subaru de Colin McRae sur Dirt 2. Ben voilà, tout simplement, je me suis dit, je me mets à votre place. Sauf que je me suis réellement mis à votre place pour tout ce qui concerne Minecraft S3 et Need for Speed Most Wanted. Sinon, je me suis mis à la place de personne. Pour moi et pour toi aussi là, pour plus tard. Alors, du coup, le mercredi de mars, eh ben, je tournerai une vidéo sur Minecraft S3, je vous le confirme. Et avec le matos de l'envol, je vais communiquer sur Hangout avec des membres ou des abonnés de la chaîne de la communauté Google Plus de la French Open YouTuber. Et donc voilà, vous pourrez poser des questions, ce que vous voulez. Enfin voilà, je suis ouvert à tout sujet de conversation. Bon, moi je vous le dis d'avance, les trucs geeks, c'est pas ça. Donc si vous avez des questions geeks, il faut les poser à l'eau en vol, pas à moi. J'espère juste que... Donc on regarde les stats, elle va tout simplement, voilà, 870 km/h, boost 44. Ah, j'ai quand même tenu 3 minutes. Ah, j'ai quand même fait quasiment 30 km, ouais, c'est plutôt pas mal. Sur le circuit là, pour une première. Alors attendez, on va peut-être faire autre chose là. Ah, donc si, pardon, excusez-moi, pour Zone Yeti, l'interface, si vous l'avez vu. Ouais, c'est pour Combat Zone qu'elle n'y est pas. On va peut-être se refaire l'éliminator. On va prendre la Combat Zone. Non, ouais, on va se prendre un détonateur. Ouais, donc je vais tout faire péter. Ouais, on va reprendre celui-là parce que c'est vraiment un parcours qui me réussit vraiment pas bien en course. Mais j'espère qu'il me réussit quand même pour autre chose. Vu que là il y a beaucoup de virages. Bah, du coup, pour faire des ricochets, pour viser les adversaires, c'est plutôt assez sympa. Voilà. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais ça sert à rien d'accélérer dans des modes comme zone ou encore détonateur. Je sais pas pourquoi j'étais sur accélérateur tout le temps. C'est
peut-être l'habitude à force de faire des courses et des éliminatoires. Le moins bien. Et c'est tout. Donc j'espère que cette vidéo malgré tout vous aura plu sur Wipeout HD Fury. Donc une miniature sera mise à l'occasion de cette vidéo puisque la miniature est prête et terminée. Donc on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Et donc d'ici là, donc passez donc une bonne deuxième semaine de vacances pour la zone C. Allez, ciao ciao, portez-vous bien, c'est les petits clous, bye bye, à la prochaine.